La société Sanital réserve aux Congolais en général et aux Kinois en particulier deux appareils modernes dont l'usage dépasse tout entendement. Le premier appareil, c'est ce frigo de transport et de conservation de vaccins, le TCOE 4000 SDD. Il fonctionne avec deux accumulateurs grâce à deux panneaux de 200 watts chacun, alimentés sous le soleil. Nous avons devant nous un frigo qu'on appelle TCOE 4000 SDD. C'est-à-dire TCOE, c'est-à-dire c'est un transport de vaccin. Et 4000, c'est le nom par rapport aux séries. SDD, c'est-à-dire Solar Drive Direct, c'est-à-dire ça fonctionne directement au fil du soleil. C'est un équipement qui fonctionne sans batterie. C'est-à-dire nous avons les panneaux solaires qui alimentent directement ces frigos. Et à l'intérieur, on remplace les batteries par les gros accumulateurs qui sont remplis d'eau, qui sont tout autour ici sous forme de ceinture. Et on va laisser les frigos fonctionner pendant une semaine. Ces accumulateurs-là remplis d'eau seront congelés. Et c'est ça qui va faire l'autonomie du froid pour ces frigos ici. Le second, c'est le Center Kit additif qui permet de recharger des appareils électriques et leurs accessoires, grâce à sa batterie de 27 ampères, qui peut tenir pendant plus de 35 heures en servant également d'éclairage. Nous avons ce qu'on appelle le Center Kit. C'est juste un additif qu'on peut ajouter à un frigo qui fonctionne déjà, c'est-à-dire dans le milieu rural où il n'y a pas d'électricité. On peut utiliser ces systèmes ici pour l'éclairage. Nous avons une possibilité d'alimenter les centres avec ce lampe ici. Le kit a une batterie de 27 ampères à l'intérieur qui est chargée avec le même câble qui alimente les frigos. L'IT ou bien l'infirmière titulaire a la possibilité de recharger son téléphone. Souvent deux ports USB pour recharger les téléphones. Il y a un petit ventilateur prévu pour avoir un peu de l'air là-haut. Hein? Donc c'est à monter, c'est démontable. Tout a été prévu. Voilà. Venu tout droit de Luxembourg, Sanital met à la disposition des Congolais des appareils qu'on peut retrouver à son siège de la commune de la Gombe, sous l'avenue Roi Baudouin numéro 47, en diagonale de l'ANR. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, face à face, un nouveau numéro. Nous recevons un héros vivant, puisque vous le savez, on a longtemps parlé de lui, tout le monde a parlé de lui, et je crois que peu de Congolais ont reçu autant d'admiration de l'air vivant. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir quelqu'un, vous le connaîtrez de toutes les façons. Il a été pris dans les prix et les distinctions en 2015. Il a reçu le prix, le mieux servi d'ailleurs, pour poursuivre ses recherches dans le bassin du Congo. La même année, il va recevoir le prix Royal Society Afrique pour ses travaux fondateurs sur les fièvres hémorragiques virales, parmi lesquels Ebola, qui ont permis de mieux comprendre l'épidémiologie et les manifestations cliniques et les infections virales et lutter contre leur apparition. Il a également reçu le prix de l'excellence pour l'ensemble de ses réalisations au symposium international sur le filivoris en 2015. Et en 2019, il va donc être désigné comme l'un de 10 personnes qui comptent le plus pour la science par la revue Nature. Le magazine américain Time le classe en outre parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année d'ailleurs. Et puis Times, en septembre 2020, évoquant notamment son combat contre Ebola dans une description dirigée par le docteur Denis Mukwege. Lui, c'est le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INRB,
docteur en thèse de l'Université de Louvain en 1973, doctorat honorifique en sciences de l'Université d'Harvard aux États-Unis. Il a travaillé pendant longtemps sur les infections virales. Il travaille jusqu'aujourd'hui d'ailleurs dans cette question des épidémies. Il a travaillé aussi jusqu'à l'Institut Pasteur de Dakar et on l'a d'ailleurs surnommé le chasseur d'Ebola. Et il nous fait le grand honneur de répondre à nos questions aujourd'hui. Très cher docteur, c'est un grand honneur de vous recevoir. Et d'ailleurs, un grand honneur de vous voir en face, puisque à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un homme comme nous tous? Comment allez-vous, docteur? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Comment ça vous fait aujourd'hui de porter une si grande fierté, de porter un si grand poids aujourd'hui? Ben, je pense que dans la vie... Vous n'allez pas retirer le masque, on dirait. Je ne sais pas si vous avez été vacciné. Si, bien sûr. Vacciné, si, combien de fois? Deux fois, bon, toutes les deux doses déjà. J'ai confiance, je peux enlever le masque. Ok. Ok, moi-même aussi je suis vacciné. Ah d'accord, c'est bon. Bon, écoutez, la vie c'est pour lutter, c'est pour en fait rendre service, n'est-ce pas, aux autres. Et on a reçu un don, certainement de Dieu. Et il faut donc exploiter ces dons pour être utile, n'est-ce pas, à la société, à la communauté, et on peut même dire à l'humanité entière, si on peut le faire. C'est ça qui est le plus important. Et si dans votre vie vous recevez ces honneurs de votre vivant, c'est encore mieux que de recevoir lorsque vous êtes dans un cercueil. Oui. Et les amis, les gens viennent dire n'importe quoi, peut-être des choses qui ne sont pas justes, mais de toute façon, ça ne vous concerne plus. Mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité pour vous, une très grande responsabilité de dire que vous avez combattu Ebola et là, vous combattez coronavirus comme pas possible? Est-ce que ce n'est vraiment pas une responsabilité énorme d'avoir ça sur vous tous les jours? Bon, c'est une responsabilité, bien sûr, mais lorsque... vous possédez la science, vous comprenez ce qu'un virus. Et maintenant, vous mettez ça pour soigner les autres, pour protéger les autres. Se protéger d'abord, bon, parce que je connais, je sais comment le virus se transmet. Oui. Alors, je me protège. Hein, et apprendre aux autres aussi à se protéger. C'est ça qui est le plus important. Okay. Transmettre ce message à la communauté pour que la communauté accepte. Ce n'est pas facile. Alors, quelle a été votre plus grande difficulté dans ce combat? Est-ce la culture? Est-ce le niveau d'éducation? Est-ce le niveau de compréhension de la population? Ou la gravité de la maladie ou du virus, la force du virus? Bon, c'est-à-dire que moi, je comprends la gravité de la maladie. Mais la majorité de la population ne comprend pas ça. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitations. Au sein de la population. Trop de superstitions aussi. Trop de superstitions, les gens se disent, mais... Bon, oui, oui, mais surtout maintenant que nous avons les médias sociaux, là, c'est surtout ça qui fait que, dans les temps, lorsque j'étais jeune, en fait, les journalistes qui parlaient de quelque chose, donc, ils étaient connaisseurs en la matière. Mais maintenant, c'est libéralisé. Quelqu'un se réveille aujourd'hui, il va commencer à parler de physique nucléaire, il va parler de la guerre. Hein. Il n'y a plus de limite. Voilà. On parle donc, de tout. C'est un peu ça. Donc, maintenant, il y a beaucoup de virologues dans les pays, hein, et il y a beaucoup d'épidémiologistes alors qui diffusent des nouvelles, qui diffusent donc des informations qui ne sont pas justes. Et donc, la lutte, notre lutte, quand on lutte contre une épidémie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord lutter contre les rumeurs, les fausses rumeurs. Donc il y a une épidémie de rumeurs qui fait que si vous ne faites pas attention, c'est cette épidémie qui va l'emporter sur la vraie épidémie. Okay. Donc nous devons faire attention et essayer vraiment
d'avoir la population, n'est-ce pas, de notre côté, pour qu'il y ait une bonne information qui circule. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de revenir sur la genèse du virus, tout le monde sait, mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde, dans le sens général, est-ce qu'on a fait un pas vers la victoire, ou vous pensez qu'il y a un recul par rapport à la lutte qu'on avait, à la vigilance que le peuple avait au niveau du monde? Non, je pense qu'on a fait vraiment de bons pas en avant. Quand nous voyons d'où nous venons, d'abord pour les fièvres hémorragiques, Ebola par exemple. Quand on annonçait qu'il y avait une épidémie d'Ebola, c'était la panique. Oui, et maintenant vous voyez, depuis que nous avons donc mis en place, nous avons trouvé un médicament contre ce virus, et que nous avons testé sur le terrain un vaccin aussi qui est vraiment efficace. Nous disons que c'est fini, Ebola n'est plus cette maladie terrible. C'est devenu une maladie donc commune comme la malaria, comme la fièvre typhoïde, etc., qu'on peut traiter, qu'on peut prévenir. Et d'ailleurs, les dernières épidémies que nous avons eues en Bandaka par exemple, seulement 5 cas. Seulement 5, vous voyez. Donc on a vacciné autour, on a traité ceux qui étaient malades, et puis c'est fini, ça s'est arrêté. Donc nous n'aurons plus de grandes épidémies dans l'avenir, de fièvre hémorragique Ebola. Alors pour la Covid, là c'est une pandémie. Oui. C'est une pandémie, et les progrès scientifiques sont tels que cette pandémie est maintenant maîtrisée. Il y a le vaccin, et toutes sortes de vaccins qui sont sortis en quelques temps. Si bien que ça a été tellement vite que on s'est méfié, n'est-ce pas, de l'efficacité du vaccin. Mais en tant que spécialiste, je crois que vous avez été mal compris il y a un moment, quand vous avez parlé de vaccin, les gens pensaient que vous voulez envoyer les gens à l'abattoir et que vous avez été en contact avec les grands groupes de laboratoires qui vous ont donné de l'argent pour certains, pour sacrifier les Africains. Comment vous avez vécu cette période? Puisqu'en ce moment-là, c'était quand même assez grave. Les réseaux sociaux, comme vous avez dit, les virologues des réseaux sociaux ont accrédité des thèses. Comment vous avez vécu cette période? Ah, ça, c'était vraiment le moment le plus dur de ma vie. Oui. C'était le moment le plus dur. J'ai manqué même parfois de sommeil à cause de cette incompréhension. Oui. En fait, c'était le 4 avril, le 4 avril 2020. J'avais une conférence de presse avec l'ambassadeur aux États-Unis, M. Amer. Et je n'avais pas lu auparavant, je n'avais pas suivi l'événement qui s'est passé en France. Oui. Où un chercheur disait que c'était le vaccin, là, c'était pour... mais moi, je n'avais pas suivi ça. Alors, quand on a parlé de vaccin, on m'a posé une question. Moi, j'ai dit la seule solution pour vaincre cette pandémie, c'était le vaccin. Et nous, comme nous avions fait un essai clinique avec Ebola, qui avait réussi d'ailleurs, parce que notre produit Ebanga est maintenant un produit, un médicament qui est reconnu par la grande société qu'on appelle FDA des États-Unis, qui a reconnu comme un traitement pour Ebola. Donc, nous avions dit, à partir de ce moment-là, l'INRB était reconnu comme vraiment une institution où on peut mener des recherches scientifiques valables, acceptables. Alors, l'OMS commençait déjà à penser où est-ce qu'on peut faire ces essais cliniques avec les nouveaux vaccins qu'on a eus. Et donc, nous, on a dit, bon, nous, on peut faire ça. Alors, vraiment, lorsqu'on fait un essai clinique, il y a toutes les précautions qu'on doit prendre. Nous ne sommes pas des assassins, oui. Les médicaments que vous utilisez actuellement, disons, l'aspirine, mais avait été testé avant. A été testé avant. Oui. A été testé sur qui? Tous les médicaments que nous avons maintenant, les antibiotiques, etc. Ont été testés d'abord par les humains. Sur les humains. Sur les humains. Aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc, moi, j'étais très mal compris. Mais ça, je pouvais encore supporter. Mais il y a même... de petits enfants,
qui me traitait de tous les maux. Vraiment, c'était des injures, hein, des injures. Bon, heureusement que je me suis dit, bon, c'est la science qui va gagner. Oui. Oui. Et finalement, on vous a donné raison à la fin. On m'a donné raison, oui. Et ceux qui m'injuriaient, c'était les premiers à se faire vacciner. Mais... Hein? Et vous avez été vacciné, vous n'êtes pas transformé en cochon. Non, pas du tout, mais après, on nous disait que, voilà, si vous êtes vacciné, vous n'aurez plus d'enfants. Si vous êtes vacciné, vous aurez des problèmes, vous allez développer des cancers, ainsi de suite. Il y avait toute cette peur autour de ces vaccins-là. Oui, mais alors, docteur, quand on évolue quand même cette question des vaccins, l'humanité finalement a pris le contrôle de la question, mais le Congo était un cas particulier puisqu'il n'y avait pas d'infrastructure. Je me pose la question, comment vous avez fait finalement pour combattre cette histoire? Il n'y avait pas d'infrastructure, et d'ailleurs, il faut le dire que c'est vous qui avez donné même la vie à l'INRB, puisqu'on n'y croyait même pas. Oui, bon, voilà, disons que l'infrastructure, ce n'est pas tellement ça. Au contraire, cette maladie a montré que même si vous avez l'infrastructure, vous pouvez connaître les pires. Oui, pire. Ouais, vous voyez, les États-Unis. Ah oui, par exemple, le nombre de décès aux États-Unis, en Europe, c'est quand même, c'était exorbitant. Et pourtant, ils ont la meilleure infrastructure, sanitaire. Et nous qui n'avons pas cette infrastructure sanitaire, hein, on n'a presque pas eu de mortalité. Oui. Et donc, ce n'est pas seulement ça. Mais nous devons reconnaître que il faut absolument développer l'infrastructure sanitaire. Donc nous parlons beaucoup de couverture sanitaire universelle, mais ça commence par l'infrastructure. Si vous négligez l'infrastructure, ce sera difficile d'appliquer ça. Mais il faut combien de INRB au Congo? Non. Plus ou moins combien? Bon, vous voyez, le problème, c'est que le pays est étendu, très étendu. Et lorsqu'on prélève un échantillon, par exemple, là-bas, pour que cet échantillon arrive à l'INRB, ça peut prendre 3 jours, 4 jours, même une semaine. Et dans quelles conditions? Ça peut impacter? Ça peut avoir un impact sur... Oui, quand vous allez travailler au laboratoire, hein. Normalement, il faut garder la température entre 0 et 4 degrés. Mais pendant les transports, cet échantillon monte parfois jusqu'à 37 degrés. Donc, vous ne pouvez plus isoler le virus. Donc, vous allez dire, l'échantillon arrive à l'INRB, l'INRB répond, c'est négatif. Alors que vraiment, la maladie est là. Est là. Vous voyez? Donc, vous perdez votre crédibilité. C'est ce qui a fait ça. Ah oui, c'est pas parce que vous êtes incapable. Non, c'est parce que les transports, l'échantillon a traîné, hein, lors du transport. Voyez. Et pour pallier à ça, il faut quoi? Et pour pallier à ça, nous avons dit qu'il faut mettre des laboratoires provinciaux. Il y aura donc l'INRB, qui est le laboratoire national de santé publique, et puis des laboratoires provinciaux à Lubumbashi. Dans les grandes villes, vous voulez dire? Dans les, bon, dans les grands chefs-lieux, dans les chefs-lieux? Oui, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, l'ancienne configuration. Et vous aurez donc un laboratoire à Lubumbashi, à Mbandaka, à Goma, à Bukavu, Kisangani. À Kisangani, à Bandundu, ainsi de suite. Donc, ce sont des laboratoires relais. L'échantillon vient des districts, donc des zones de santé, arrive d'abord là-bas. Ils savent traiter ça. S'ils ne savent pas traiter, ils reconditionnent. Et puis ils envoient l'INRB. Parce que pour le moment, c'est l'INRB qui reçoit les échantillons de partout. Et parfois, vous êtes dans l'incapacité, puisque le temps vous a dérangé, les trajets, ainsi de suite. Mais maintenant, par exemple, nous avons monté, avec suite à l'épidémie d'Ebola au nord, sud Kivu et Ituri, nous avons monté un laboratoire tout à fait moderne à Goma. C'est vraiment l'extension de l'INRB. Oui, donc nous avons les mêmes techniques, à peu près les mêmes équipements à Goma, actuellement. Alors, il y a donc un laboratoire qui fonctionne là-bas. Et avec la Banque mondiale, on est en train de monter, de réhabiliter les laboratoires de Bunia. Il y aura un laboratoire à Bunia, et ce laboratoire sera vraiment spécialisé dans la peste. Dans la peste, oui. Et d'autres laboratoires qui seront donc montés
très prochainement. Alors, il y a un problème, docteur, on sait que vous amène même de parler de cette question, c'est le conditionnement de vaccins et tout le reste. Il y a un problème d'énergie, il y a un problème aujourd'hui de... En fait, un problème d'énergie, un problème de transport, mais parlons d'abord du problème d'énergie. Vous avez des vaccins, vous avez des échantillons qu'il faut conserver, mais il n'y a pas d'électricité dans des zones reculées, par exemple, et même à Kinshasa aussi, je crois qu'il y a des problèmes d'électricité. Comment vous faites pour conserver, par exemple, les échantillons, les vaccins, comment on fait pour les garder à la bonne température? Bon, vous avez, quand vous allez à Kinkole, vous allez voir, il y a des installations vraiment extra-modernes pour conserver le vaccin. Beaucoup de Congolais ne savent pas ça, même les Kinois n'ont jamais été. Allez là-bas, vous allez voir, c'est les PEV qui dirigent ça, le programme élargi de vaccination. À l'INRB, nous avons, bien sûr, il y a l'électricité, hein. Alors, nous avons des congélateurs de moins 80, des congélateurs de moins 40, des congélateurs, dont une vingtaine de congélateurs de moins 80, une centaine de congélateurs de moins 20, vous voyez. Et puis, nous avons aussi une machine pour fabriquer ce que nous appelons l'azote liquide, qui donne une température de moins 150 degrés. Voilà. Bon, ça, c'est Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, à l'intérieur, où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Il faut garder quand même ce vaccin. À la bonne température. Oui. Donc là, il nous faut des congélateurs, des frigos spéciaux, hein, recourir surtout à l'énergie solaire. À l'énergie solaire, vous avez des panneaux solaires qui vont donc alimenter les frigos, les congélateurs. C'est la seule solution. Mais est-ce que vous avez pour ça des partenaires? Pour ça, bon, bien sûr. Nous comptons beaucoup sur les partenaires, hein, des partenaires, surtout vous avez l'OMS, vous avez l'UNICEF, vous avez le MSF, et puis bien sûr les grands partenaires financiers, c'est la Banque mondiale, c'est le Fonds mondial, etc. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire il faut une culture. Chez nos agents de santé pour pouvoir contrôler la température. Le matin, quand ils arrivent, ils contrôlent la température du frigo. Le soir, avant de partir, ils contrôlent la température. Ils notent ça. Comme ça, vous pouvez suivre les variations de la température et remédier éventuellement s'il y a des pannes. La société Sanital réserve aux Congolais en général et aux Kinois en particulier deux appareils modernes dont l'usage dépasse tout entendement. Le premier appareil, c'est ce frigo de transport et de conservation de vaccins, le TCOE 4000 SDD. Il fonctionne avec deux accumulateurs grâce à deux panneaux de 200 watts chacun, alimentés sous le soleil. Nous avons devant nous un frigo qu'on appelle TCOE 4000 SDD. C'est-à-dire TCOE, c'est-à-dire c'est un transport de vaccins. Et 4000, c'est le nom par rapport aux séries. SDD, c'est-à-dire Solar Drive Direct, c'est-à-dire ça fonctionne directement au fil du soleil. C'est un équipement qui fonctionne sans batterie. C'est-à-dire nous avons les panneaux solaires qui alimentent directement ces frigos. Et à l'intérieur, on remplace les batteries par les gros accumulateurs qui sont remplis d'eau, qui sont tout autour ici sous forme de ceinture. Et on va laisser les frigos fonctionner pendant une semaine. Ces accumulateurs-là remplis d'eau seront congelés. Et c'est ça qui va faire l'autonomie du froid pour ces frigos ici. Le second, c'est le ceinture kit additif qui permet de recharger des appareils électriques et leurs accessoires grâce à sa batterie de 27 ampères qui peut tenir pendant plus de 35 heures en servant également d'éclairage. Nous avons ce qu'on appelle le Hill Center Kit. C'est juste un additif qu'on peut ajouter à un frigo qui fonctionne déjà. C'est-à-dire dans le milieu rural où il n'y a pas d'électricité, on peut utiliser ces systèmes ici pour l'éclairage. Nous avons une possibilité d'alimenter le centre avec ce lampe-ci. Le kit a une batterie de 27 ampères à l'intérieur
qui est chargé avec le même câble qui alimente les frigos. L'IT ou bien l'infirmière titulaire a la possibilité de recharger son téléphone. Souvent, deux ports USB pour recharger le téléphone. Il y a un petit ventilateur prévu pour avoir un peu de l'air là-haut. Donc, c'est à monter, c'est démontable. Tout a été prévu. Voilà. Venu tout droit de Luxembourg, Sonital met à la disposition des Congolais des appareils qu'on peut retrouver à son siège de la commune de la Gombe, sous l'avenue Roi Baudouin, numéro 47, en diagonale de l'ANR. Mais il y a aussi, par exemple, le Medical System, qui est un fabricant luxembourgeois et distributeur mondial des dispositifs de réfrigération médicale, mais qui vous accompagne aussi, je pense que vous en avez là. Oh oui, oui, moi j'ai visité, il m'avait invité une fois quand j'étais en Belgique, j'ai visité, mais c'est une production géniale et originale. Donc ce sont eux en fait qui fabriquent, et maintenant ils fabriquent, n'est-ce pas, des congélateurs à énergie solaire. Et ça c'est la solution, ça c'est la solution pour les pays sous-développés, les endroits où il n'y a pas d'électricité, c'est la seule solution, c'est avoir ces frigos, ces congélateurs, n'est-ce pas, qui fonctionnent sur l'énergie solaire. Alors, mais c'est ce que j'ai déjà, c'est Medical System. Oui. Mais est-ce que vous, dans votre par rapport à votre expérience, est-ce que vous pensez qu'ils sont en mesure de couvrir ce grand pays? Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Non, bon, ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème, c'est de dire, est-ce que la RDC a assez d'argent, assez de moyens pour payer suffisamment de frigos, de congélateurs à énergie solaire pour répartir dans toutes les zones de santé? Bon, est-ce que notre population, nos agents de santé sont capables d'assurer la maintenance, n'est-ce pas, de cet équipement, etc. C'est simplement ça. Mais sinon, tel que j'avais visité cette usine-là, ils ont des capacités infinies. Infinies. Mais c'est vrai aussi, est-ce qu'il faut former les Congolais? Il faut former le personnel pour qu'ils sachent manipuler. Et puis vous dites quelque chose de fondamental, la maintenance, puisqu'après nous, quand on a des choses, quelques mois après, on ne sait pas maintenir et puis ça tombe en panne. Est-ce qu'il faut former un personnel comme ça? Bon, par exemple, nous, à l'INRB, nous avons un corps d'ingénieurs pour la maintenance. Parce que nous avons toutes sortes d'équipements. Le grand problème à l'INRB, c'est quoi? C'est que la plupart de ces équipements sont des dons. Ce sont des dons qui proviennent donc des différents pays. Nous ne pouvons pas uniformiser pour dire, bon voilà, nous aurons un seul type de congélateur, vous voyez? Et former nos ingénieurs pour réparer, maintenir ce congélateur ou un microscope, vous voyez? C'est ça le grand problème. Sinon, dans chaque province, on devrait avoir une équipe d'ingénieurs qui vont donc maintenir, entretenir ces équipements dans les différents districts, dans les différents territoires, et ainsi de suite. Parce que Medical System a pour la dernière année, par exemple, vacciné plus de 300 millions d'enfants dans le pays en développement, et en cours de 20 dernières années, je crois qu'ils en ont fait encore un peu plus. Et puis, on nous renseigne qu'ils sont, en 2019 par exemple, ils ont étendu leurs activités commerciales en Amérique en du Inde. Nord et en Inde. Oui, moi je pense que c'est, pour nous, c'est... Parce que, comme je vous ai dit, les besoins seront énormes. Les besoins seront énormes dans les années à venir. Donc, nous devons donc penser aussi, par exemple, à demander au Medical System là, de venir s'installer en RDC. En RDC, c'est un pays qui va compter, qui va peser, n'est-ce pas, sur le plan mondial dans les années à venir. Donc, c'est un pays solvable. Si nous avons de tels systèmes où les vaccins sont vraiment bien conservés et on vaccine nos enfants, c'est l'avenir. Nous protégeons donc les enfants, nous protégeons les générations à venir et nous aurons
un personnel fort, en bonne santé, c'est ça qui compte pour un pays. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, avec en négociant avec Medical System, qui mène la démarche? Est-ce l'INRP ou le gouvernement congolais? Non, bon, l'INRB n'est peut-être que conseiller, par exemple. Ben, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère des Affaires étrangères qui entre en contact avec cette société et qui demande si la société peut s'implanter ici en RDC. Mais en attendant, ben, nous avons besoin de ces frigos, de ces congélateurs, pour les PEV, et donc on peut commander, soit directement, soit en passant par les partenaires financiers que nous avons, selon les besoins que le pays présente. On peut donc nous équiper en frigo et en congélateur. Alors, le principal produit de B Medical System, c'est les réfrigérateurs de laboratoire, les congélateurs de laboratoire, les réfrigérateurs de pharmacie, le congélateur ultra bas, le congélateur à plasma, les congélateurs à choc de contact, les réfrigérateurs des vaccins, les réfrigérateurs à glace et les réfrigérateurs solaires à entraînement direct, le bois de transport, bref, tous les produits qui ont des capacités intégrées de surveillance à la température de 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7, ce qui garantit à ce que ce produit offre le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. C'est vrai que j'en sais rien. Non, vraiment, vous connaissez mieux que moi. Ouais, en fait, moi, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de dire il faut vraiment une chaîne de froid fiable, fiable, pour que le vaccin que vous donnez là, c'est un vaccin qui va produire des effets bénéfiques sur l'enfant. Mmh. Oui, parce que on peut donner une fausse sécurité aux gens. On prend le vaccin qui a traîné, qui a fait 2 heures à la température ambiante, là, et puis vous donnez à l'enfant, ce vaccin ne vaut plus rien, mais vous faites semblant de dire que vous êtes protégé. L'enfant est protégé. Mais pourtant, l'enfant ne l'est pas. Ne l'est pas. Alors, les vaccins sont très... Il faut que les vaccins suivent la chaîne de froid. Ah oui, il faut suivre la chaîne de froid. Il faut respecter la chaîne de froid. Ah, OK. Oui, pour avoir vraiment des effets. Sinon, les vaccins, ça se détériore. Ça se détériore, ça perd sa vitalité. Ah, d'accord. Oui, oui. Mais est-ce que nous avons, aujourd'hui, je parle de l'INRB, est-ce que vous avez la capacité d'analyser toutes les maladies, je veux dire toutes les épidémies ou toutes les pandémies, même si je ne connais pas la différence entre pandémie et épidémie vraiment, mais est-ce que vous avez, l'INRB nous donne toute cette capacité-là? Non, maintenant vraiment nous avons fait un transfert de technologie et nous sommes à la pointe. Nous sommes à la pointe avec les nouveaux laboratoires que nous venons d'acquérir grâce à la coopération japonaise, la JICA. Franchement, nous avons des chercheurs qui viennent de France, qui viennent d'Europe, n'est-ce pas, des États-Unis, il y en a qui disent, non, nous, je préfère rester ici, hein, parce que les conditions sont meilleures. Donc, et nous avons des technologies adaptées vraiment notre personnel. Et ce qui est formidable, c'est que, bon, ça c'est les amis qui me disent, hein, qui viennent ici, ils disent, mais nous apprenons trop vite, les Congolais apprennent très vite, ils ont une capacité d'apprentissage extraordinaire, extraordinaire. Donc si vraiment on se moque de nous à l'étranger pour dire oh, le Congolais c'est la danse, c'est seulement ça et ça et ça, mais même sur le plan scientifique, nous avons fait des avancées énormes, surtout en sciences médicales. Et au moment où je vous parle, nous sommes capables de disséquer les virus de la COVID, les disséquer en petits morceaux comme ça. Et ça, vous pouvez le faire aujourd'hui? Nous pouvons le faire. Beaucoup de pays ne peuvent pas le faire. Bon, beaucoup de pays africains ne peuvent pas le faire. Mais ça, c'est grâce à l'expertise du docteur Muyembe quand même. Bon, c'est pas... Bon, on dit toujours Muyembe, c'est vraiment, c'est pas Muyembe tout seul. Hein. C'est toute une équipe. Hein. Et l'autre jour, j'ai projeté là, j'avais fait une diapositive, où en 1998, quand je suis nommé à l'INRB, j'étais le seul docteur à thèse. Le seul. Et en 2022, ici, nous sommes maintenant une vingtaine. Ah. Ouais. Une vingtaine de docteurs à thèse. À thèse. Oui. Qui ont été formés en France, en Belgique, au Japon, aux États-Unis. Voilà. Et avec le Japon, j'ai même un contrat
pour dire que chaque année, j'envoie cinq candidats qui vont faire leur PhD là-bas, qui vont faire leur doctorat là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui le pays peut être assuré qu'après Dr Muyembe, il y a bien d'autres personnes qui peuvent faire le même boulot avec la même pertinence? Ah oui, mais moi je vous dis que moi j'étais seul, maintenant nous sommes 20. Donc la relève est là. La relève est assurée et ils sont des gens d'une grande compétence, vraiment d'une grande compétence. Et donc pour moi simplement, j'ai dit, dans les années à venir, notre ambition, ce sera d'avoir des prix Nobel en sciences, qui sortent, n'est-ce pas, de l'INERP. Vous pensez aussi être prix Nobel de vous, personnellement, Personnellement. Non, moi, pas personnellement. Mais mes collaborateurs, certainement, il y en a qui vont... Ça ne vous intéresse pas, le prix Nobel? Non, ce n'est pas un problème d'intérêt. Bon, je peux, hein. Si on me donne, j'accepte. Mais je ne ferai pas les démarches pour dire que je mérite le prix Nobel. Ce n'est pas ça. Non. Mais bon, mais j'ai eu dans ma vie vraiment beaucoup de reconnaissance, hein, internationale. Moi, je suis né au village. Hein? Je suis un villageois. De quel village? Ah, au Bandundu, là, tout près de Baningville. Mais je suis un villageois. Un villageois qui parle avec l'empereur du Japon, face à face comme ça. C'est pour vous déjà quelque chose de... Ah, c'est quelque chose. De bien déjà. Oui, mais c'est ça. Mais vous parlez avec lui parce que vous êtes la sommité de notre... Non, enfin, mais quand même... Vous faites partie de des sommités de la science. Imaginez-vous un petit villageois là, qui courait derrière les rats et les oiseaux et tout ça. Hein? Et maintenant qui se retrouve au palais de l'empereur. De l'empereur. Hein? Mais vous avez été cité parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Moi j'ai appris ça. C'est formidable. Mais bon, écoutez. Oui, mais le problème, c'est que, vous voyez, quand je suis parti au Japon pour recevoir les prix, après je suis parti visiter le village de Hideo Nogoshi, c'est le médecin japonais qui a commencé donc la relation internationale, tout ça, tout ça. Je suis parti dans ce village-là, mais ben, quand je suis arrivé, il y avait une haie là-bas, des enfants, hein, donc des écoliers, des élèves donc des humanités et tout ça. Bon, ils avaient les drapelés congolais. Ils étaient en train d'agiter le drapeau. Oui, parce que bon, ils étaient... Je passe là au milieu, et là, ils agitent, mais j'étais émotionné. Oui. Ce que je ne pourrais jamais voir ici. Si, si on le fait déjà beaucoup plus d'ailleurs. Mais non, mais est-ce que je peux aller à Kassangoul ou là-bas, les gens font ça? Non, jamais. Ah, d'accord. Donc tu vois. Et puis après, on a eu une pause café. Hein, et ils sont venus autour de moi, ces enfants-là, poser des questions. Comment vous avez fait ceci? Comment vous avez fait ça? Vous n'avez pas peur de maladie? Vous n'avez vraiment des questions comme ça, vous voyez? Et donc, et tout dernièrement, donc, quand je suis parti à Harvard, mais je n'étais pas connu à Harvard, personne ne me connaissait là-bas. Hein, je leur ai demandé, comment vous m'avez sélectionné, sur base de quoi vous m'avez sélectionné? Ils ont dit non, nous avons parcouru le monde entier et puis passé un à un, puis votre nom est sorti. Nous, c'est un bonheur pour nous d'avoir un docteur Muyembe. Parce que quand on parle de nous à l'étranger, on pense qu'on est vraiment un parc animalier. Et que quand au-delà de ça, quand il y a des gens comme docteur Muyembe, nous, on est très bien contents. Ça nous honore quand on vous dit, vous êtes de quel pays? Bon, on mais dit, vous savez, Congo, vous savez, on Muyembe, pendant, ah, on vous est savez, d'accord. Vous savez, pendant l'épidémie ici, c'est une petite fille qui m'a traité de racaille. Mais oui. Okay. J'ai encore le message sur mon téléphone. Oui. Hein, vous êtes racaille. Vous êtes racaille. Ben, ça a l'air certainement, elle sait pas ce que c'est. Oui, bon, j'ai rigolé. Mais c'est quand même bizarre, tu vois, qu'on me traite de racaille. Oui. Tu vois. Mais c'est vrai, votre travail est toujours assez confronté à des choses pareilles. Mais docteur, on va terminer cette émission, mais avant de la terminer, est-ce que vous avez des moments forts de votre vie, en dehors du fait que vous ayez partagé les repas avec l'empereur, est-ce que vous avez d'autres moments les plus importants de votre vie, dans votre carrière? Bon, disons que, bon, moi, le moment le plus important, je crois que c'est la formation que j'ai eue à l'école secondaire. Ici au Congo? Au Congo. Vous êtes le produit du Congo? Chez les jésuites. D'accord. Chez les jésuites. Où vraiment j'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ah, cette formation-là était quand même formidable. Parce que j'ai fait les latins, j'ai fait les grecs, j'ai fait les flamands. Mais en plus de ça,
j'avais un cours de musique classique. Et la musique classique, ça m'a beaucoup formé. OK. Et j'avais aussi un cours sur l'art. Et maintenant, j'ai un enfant qui adore l'art, qui paye les tableaux. Hein? Moi, je dis, je n'ai pas de tableaux comme ça. Il en a peut-être des centaines de tableaux. Hein? Vous voyez? Et donc, c'est ça l'homme. Hein? C'est ça quand vous avez formé quelqu'un. Et donc, en dehors des matières classiques, là, vous lui donnez l'occasion de s'épanouir. Okay. S'épanouir. Bon, ça c'est pour moi, ça a été vraiment la chose la plus importante qui a fait que, bon, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe du tout. Alors aujourd'hui, docteur, est-ce qu'on peut dire que le coronavirus est derrière nous? Est-ce qu'on a dépassé le niveau de coronavirus ou nous devons toujours être vigilants? Non, le coronavirus n'est pas derrière nous. Le coronavirus est avec nous. Il est avec nous. Peut-être il va même continuer à vivre avec nous. Ça, c'est un fait. Mais il est fait que d'autres virus viendront ou d'autres maladies viendront. Surtout d'origine animale. Parce que là, en Chine, on nous a parlé d'un autre virus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit être un virus sur le singe, quelque chose comme ça. Non, ça c'est le virus monkeypox. Oui, je crois. Oui. Non, la variole des singes, c'est notre virus à nous. Ah, d'accord. Hein, qui a été détecté pour la première fois à Bassankoussou. Okay. En 1970. C'est chez moi, vraiment. À l'Équateur. Ah, c'est chez toi. Oui, mais chez moi. Vous mangez trop de singes, alors chaque fois, hein, en contact avec les singes, vous pouvez donc attraper ça. Okay. Et c'est une maladie, bon, jusque-là, nous pensions que c'était une maladie simplement de la forêt équatoriale. Et voilà qu'en 2022, ici, on a connu des épidémies, donc des monkeypox, surtout chez les homosexuels, en Europe. Donc, chez nous, la transmission, c'est en contact avec un rat, un écureuil malade, ou bien avec un singe malade. Vous attrapez ça, ce sont des boutons, des vésicules qui apparaissent sur le visage, etc. Et puis, ça s'arrête. La transmission est par contact direct. Oui. Mais là-bas, maintenant, la transmission est sexuelle. La transmission est sexuelle, ça prend une autre forme. Et la maladie devient maintenant une maladie mondial. Si mais pourquoi c'est seulement chez les homosexuels? Ah oui, mais ça dit, il y a quelqu'un certainement qui s'est infecté, oui. Hein, et puis en allant en Afrique, il s'est infecté. Alors, rentré en Europe, bon, comme c'est un homosexuel, hein, contact, etc., il transmet, et puis les homosexuels, là, ils sont entre eux, et c'est devenu vraiment une épidémie. Une épidémie. En Europe, aux États-Unis, etc. Donc voilà cette maladie qui était une maladie négligée, hein, parce que c'est apparu en Afrique, devient maintenant une maladie inquiétante hein, d'intérêt mondial. Nous risquons de le développer beaucoup ici chez nous? Ah, chez nous, c'est déjà 95% des cas dans le monde, ça vient de la RDC. De la RDC. RDC, c'est la Chwapa, c'est les Sankuru, Kole, Lodja. Hein, Chudiloto. Je comprends pourquoi mon père m'a toujours interdit de manger les singes. C'est peut-être ça? Non, bon, manger les singes, c'est pas. C'est, les singes que vous mangez, c'est déjà boucané. Oui, boucané. Mais là, il n'y a pas de danger. Ok. C'est les singes frais. Ah, hein? D'accord. Oui, bon. Le singe frais qui est dangereux. Alors, docteur, on va terminer, mais la question, c'est maintenant, les gens veulent savoir, l'argent que les gens payent pour les vaccins et tout ça, est-ce que c'est l'INERBE qui contrôle cet argent ou c'est les gouvernements qui contrôlent cet argent? Tous les vaccins que nous faisons pour voyager. Non, faisons bien la distinction. Oui. Le vaccin, c'est gratuit. Ah, d'accord. Les tests plutôt. Voilà. Ah oui, voilà, les tests. Les tests plutôt, les tests. Je corrige. Les tests, si vous faites un test... pour les diagnostics. Et vous faites un test pour la surveillance. Par exemple, vous avez des irritations au niveau de la gorge. Vous allez voir votre médecin dans la zone de santé. Bon, il soupçonne un cas de Covid. Il va faire l'échantillon. Cet échantillon, vous venez à l'INERBE, on les teste gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit. Parce que nous avons reçu des réactifs, des machines, hein,
de la Banque mondiale, de l'OMS, etc., qui soutient cette activité-là. Mais si vous voyagez, vous voulez aller en Belgique, vous voulez aller en Belgique, vous voulez aller en Europe, là, c'est un test payant. Parce que le gouvernement ne subventionne pas, la Banque mondiale ne subventionne pas, l'OMS ne subventionne pas. Et là, donc, chaque laboratoire fait ses efforts pour payer les machines, payer les réactifs, pour faire ces tests. C'est comme vous faites un test de transaminase, par exemple, ou bien de prostate. Vous allez soit à l'INRB, soit à SJ, soit, n'est-ce pas, en Gallien, il vous fait ces tests-là, vous payez. Vous payez parce qu'il faut payer les réactifs, il faut payer ceux qui ont fait les mains. Alors, pour les tests COVID que nous réalisons à l'INRB, quand nous avions commencé, nous n'avions pas de moyens pour faire ça, pour faire ces tests-là. Donc, on s'est associé avec les cinquantenaires. Les cinquantenaires. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, quand vous avez fait ces tests-là, il faut quelqu'un qui contrôle à la sortie ou bien à l'entrée. Ça, c'est le programme national de l'hygiène aux frontières. Voilà. Donc, nous sommes à trois. Donc, cet argent-là, on divise, une partie va au cinquantenaire, une partie vient à l'INRB, une partie va au programme de l'hygiène aux frontières, à l'aéroport. Ah, donc ce n'est pas le gouvernement qui perçoit l'argent? Non, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Alors, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, on va terminer, la COVID, est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui un remède définitif pour la COVID, si ce n'est le vaccin? Non, il n'y a pas de médicaments. Que les vaccins? Il n'y a pas de médicaments, mais il y a un vaccin. Et ce vaccin, en fait, c'est un vaccin un peu spécial. Ce n'est pas comme tous les autres vaccins. Parce que si votre enfant fait la rougeole, vous lui donnez le vaccin, votre enfant est là, vous lui donnez le vaccin, l'enfant ne fera plus la rougeole. OK. Mais ici, avec la COVID, vous êtes bien portant, on vous donne le vaccin, mais une semaine après, vous faites la COVID. Vous pouvez faire le COVID. Mais c'est ce qui dérange les gens ici. C'est ça qui dérange les gens. Mais l'avantage de ce vaccin, c'est quoi? C'est que quand vous faites votre COVID, il y a peu de chances que vous soyez hospitalisé. Ah, donc vous n'avez pas développé des formes sévères. C'est ça. Donc la forme que vous allez développer sont des formes modérées, moins sévères. Moins sévères. Oui. Par rapport à celui qui n'a pas eu le vaccin. Voilà. Alors, mais donc, si vous êtes vacciné, vous pouvez être infecté. Oui. Vous pouvez aussi infecter les autres. Infecter les autres. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est toujours important de se vacciner? C'est toujours important de se faire vacciner parce que vous n'irez pas à l'hôpital. Alors, si vous faites vacciner, vous n'irez pas à l'hôpital, mais vous devez toujours vous protéger les autres, protéger encore vous-même parce que vous pouvez encore faire, l'infection. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Moi, c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Ça m'a fait un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau et de poser toutes les questions dont on a toujours envie de poser. C'est vrai qu'on aurait bien voulu vous avoir pendant que ça chauffait en ce moment-là, mais maintenant, là, je crois que c'est atténué. Est-ce qu'on peut avoir les nombres de chiffres, les nombres de cas aujourd'hui? Est-ce qu'on en a suffisamment ou ça a baissé? Non, je ne saurais pas. Vraiment, j'ai tellement de choses à faire. Je ne retiens pas les chiffres. Pas les chiffres. Mais il y en a quand même. Ce que je retiens, c'est la tendance. Oui. Hein? La tendance est à la baisse maintenant. Ah, d'accord. Parce que notre cinquième vague ici était une vague plutôt modérée. Mm. Oui. Même l'amplitude, ce n'était pas très, très important. Mm. Et la durée. Donc ça fait seulement un pic comme ça. Puis c'est les gens auront encore des vaccins ou on va s'arrêter, on s'arrête là? Non, ou... je crois qu'il faut continuer à se faire vacciner. Combien de fois par mois? En fait, combien de fois par an? Non. Je crois que vous avez... Chaque vague? Non. Bon, vous avez trois doses. Bon, moi, pour moi, c'est déjà beaucoup. À moins qu'il y ait vraiment une vague terrible. Virulence. Oui, terrible. Alors là, on peut se faire vacciner. Mais nous, les personnes âgées comme ça, comme moi, de préférence, donc, toujours porter les masques, se protéger et au besoin prendre une quatrième dose, n'est-ce pas, de vaccin. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que
je recevais sur ce plateau le docteur Mouyembe, qui tout le monde connaît, c'est notre héros, qui nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Le docteur Jacques Mouyembe, il a répondu à toutes nos questions et il conseille bien évidemment le Medical System, qui pour lui est une compagnie sérieuse qui peut fournir des congélateurs, des réfrigérateurs en bonne qualité pour garder la chaîne de froid. Et j'estime que le gouvernement est au courant de la question. Il faut continuer encore à soutenir l'INERBE, soutenir le travail de médecins, les corps médicaux, tous ceux qui font un travail important pour nous garder en bonne santé. Moi, je crois que c'est des vrais héros vivants qui le font et qui font ce travail-là. Merci beaucoup, docteur, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs. Et à la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. La société Sanital réserve aux Congolais en général et aux Kinois en particulier deux appareils modernes dont l'usage dépasse tout entendement. Le premier appareil, c'est ce frigo de transport et de conservation de vaccins, le TCOE 4000 SDD. Il fonctionne avec deux accumulateurs grâce à deux panneaux de 200 watts chacun, alimentés sous le soleil. Nous avons devant nous un frigo qu'on appelle TCOE 4000 SDD. C'est-à-dire TCOE, c'est-à-dire c'est un transport de vaccins. Et 4000, c'est le nom par rapport aux séries. SDD, c'est-à-dire Solar Drive Direct, c'est-à-dire ça fonctionne directement au fil du soleil. C'est un équipement qui fonctionne sans batterie. C'est-à-dire nous avons les panneaux solaires qui alimentent directement ces frigos. Et à l'intérieur, on remplace les batteries par les gros accumulateurs qui sont remplis d'eau, qui sont tout autour ici sous forme de ceinture. Et on va laisser les frigos fonctionner pendant une semaine. Ces accumulateurs-là remplis d'eau seront congelés. Et c'est ça qui va faire l'autonomie du froid pour ces frigos ici. Le second, c'est le Center Kit additif qui permet de recharger des appareils électriques et leurs accessoires grâce à sa batterie de 27 ampères qui peut tenir pendant plus de 35 heures en servant également d'éclairage. Nous avons ce qu'on appelle le Hill Center Kit. C'est juste un additif qu'on peut ajouter à un frigo qui fonctionne déjà. C'est-à-dire dans le milieu rural où il n'y a pas d'électricité, on peut utiliser ces systèmes ici pour l'éclairage. Nous avons une possibilité d'alimenter le centre avec ce lampe ici. Le kit a une batterie de 27 ampères à l'intérieur qui est chargée avec le même câble qui alimente les frigos. L'IT ou bien l'infirmière titulaire a la possibilité de recharger son téléphone. Souvent deux ports USB pour recharger le téléphone. Il y a un petit ventilateur prévu pour avoir un peu de l'air là-haut. Hein? Donc c'est à monter, c'est démontable. Tout a été prévu. Voilà. Venu tout droit de Luxembourg, Sonital met à la disposition des Congolais des appareils qu'on peut retrouver à son siège de la commune de la Gombe sous l'avenue Roi Baudouin numéro 47 en diagonale de l'ANR.